Et voilà, question rituelle, est-ce que le son est bon? Pardon pour cette coupure. Pour une fois, j'ai pas oublié de démarrer l'enregistrement de la vidéo, on aura donc plus rapidement le replay. Vous allez bien? Ah, pas de réponse dans le chat. Le son est bon, parfait, merci Riti, salut. Bon, parfait, merci Guillaume. Bon, en même temps, ouais, un écho. Bon, bah, attends, je rapproche un peu le micro. On a un bruit de déclenchement de chaudière. C'est normal, c'est l'hiver. Ah oui. Et le léger écho, c'est parce que, encore une fois, j'avais oublié de couper le retour sur la console Twitch. Et les montagnes, ouais. Bah oui, avec le pull qui va bien. Sauf que là, les montagnes ne sont pas enneigées. Bon. Du coup, voilà. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est pas toujours facile de trouver des sujets. La semaine dernière, le sujet sur le son, c'était vraiment un truc par défaut. J'avais pas forcément super envie de faire, mais c'était le moyen de faire un sujet rapidement, avec déjà quelques connaissances de base. Aller dans la montagne pour l'écho, ouais. Et donc, du coup, il s'agissait pour moi dimanche de trouver le temps et la motivation de vous préparer un sujet pour mercredi. Et donc, on est arrivé à mercredi, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme autre sujet? C'est pour ça qu'à la fin du stream, je vous avais dit, pourquoi pas vous présenter COBOL sur Amstrad, que du léger survolage du son. Ah, mais là, si vous entendez un bruit de fond là derrière, c'est normal. J'ai une chaudière qui est en train de tourner là. Ça fait un bruit pénible. Bon. Normalement, j'ai mis des filtres pour masquer un peu quand même. Voilà. Et donc, du coup, le truc, le COBOL, finalement, je me suis dit, bon, je vais garder ça pour plus tard. Hein, parce que bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. Et je me suis dit, ben voilà, la semaine dernière, j'ai fait un peu un truc de nouveau style. Je montre des trucs qui, à l'époque, un programmeur, tu l'as dit, COBOL, c'est vieux! Et je me suis dit, montrer des trucs qui, à l'époque, m'avaient rebuté, m'avaient vraiment pas du tout attiré dans le CPC, bah, c'était peut-être l'occasion, quelque part, d'une part, de le réaffronter. De montrer un petit peu ce qui m'avait gêné à l'époque et montrer un peu finalement ce que, avec le recul, j'ai fini par comprendre et montrer que bon, bah, finalement, il y avait parfois aussi des docs qui n'étaient pas super bonnes à ce moment-là, qui pouvaient quand même aussi expliquer pourquoi c'était finalement pas si accessible que ça. Et là, pour le coup, bah, avec le même constat, il y avait une autre chose qui était évident pour moi, c'était le CPM. Hein. Franchement, le CPM sur le CPC, c'est vraiment pas un truc qui m'a beaucoup attiré à l'époque. C'était vraiment pas un truc folichon. Quand on lisait le manuel, bon, des fois on se disait, mais où ils veulent en venir? C'était vraiment pas intuitif. On savait pas trop où ça nous menait. C'était vraiment bizarre. Et du coup, on avait du mal à voir, même une fois qu'on l'avait lancé, à comprendre ce que ça allait faire, à quoi ça pouvait servir, enfin bref. Donc finalement, le CPM, bon, on connaissait juste la commande pour le lancer, on savait qu'on les avait dans les disquettes de base. Mais grosso modo, même en lisant le manuel, on ne voyait pas trop à quoi ça allait pouvoir nous servir, quoi. Et donc, du coup, on ne savait pas trop d'où ça sortait. C'est vraiment le pauvre enfant on avait offert un Amstrad. Bon, ben, autant le basique avec le manuel, il l'apprenait, c'était assez simple. Autant le CPM, non, ça n'allait pas, quoi. Alors, certes, il apprenait à lancer Diskit 3 pour copier Discology. Mais sinon, il y avait plein d'autres choses sur ces disquettes-là, mais. Il fallait s'accrocher pour comprendre, hein, et avoir ne serait-ce qu'à quoi elle pourrait servir. Voilà. Et donc, du coup, même si le CPC était fourni avec CPM,
Oui, je suis d'accord, TS. Il y a effectivement certaines commandes basiques qui sont quand même pas très bien expliquées. Oui. Mais alors, le CPM, c'est bien pire encore. Hein. Et donc, du coup, c'est vraiment dommage parce que finalement, le CPM, ça fait vraiment partie de l'histoire de la micro-informatique. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire un petit rappel. À la base, donc, CPM, ça veut dire Control Program for Microcomputers. Et du coup, c'est une invention de Gary Kildall à une époque fin des années 70, début des années 80, où il constate, comme tout le monde, la foison des micro-ordinateurs. Et il se dit, ben, c'est quand même dommage pour chaque micro-ordinateur, il manque un système, ou alors il faut le réinventer en partant de zéro, alors qu'il y a beaucoup de choses en commun entre tous les systèmes d'exploitation. Et donc, il a une idée assez géniale à l'époque, c'est de faire un noyau pour le CPM qui contient toute la logique de base du système. Et ce noyau, il le développe en C. Ce qui fait que... Salut Benonet. Ce qui fait que, du coup, le CPM est, on va dire, relativement portable. Il ne l'est pas complètement parce qu'une bonne partie, malgré tout, doit encore collé au matériel, et donc du coup le CPM a une partie créée en assembleur qui sera spécifique à chaque machine, mais au final une grosse partie est quand même codée en C, et donc ça le rend beaucoup plus portable. Vous savez, le C, c'est un langage qui a été développé il y a fort longtemps par les gens qui développaient Unix. Et donc leur idée, c'était de faire un langage comme ça qui on écrit une fois, puis après ça se compile sur tous les systèmes que l'on veut. Voilà. Donc le C a aussi servi à coder CPM en grande partie. Et même si de nos jours ça a l'air évident de faire ça, bah à l'époque c'était assez révolutionnaire. Surtout que bon, bah, les compilateurs C, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui vous diront, ouais, mais le C pour un ordinateur 8 bits, ça va faire de la merde, ça sera pas performant, ça va faire un programme trop gros. Et pourtant, déjà à l'époque, Gary Kildall, il disait, non, on va faire un noyau de notre système en C, sur un ordinateur qui avait genre 64 kilo-octets de RAM au maximum. Ben non, il le fait. Voilà. Donc c'était vraiment très gonflé de sa part. Et donc, du coup, CPM, ça a été vraiment fin des années 70, début 80, c'était le système d'exploitation pour les micro-ordinateurs. On ne pouvait pas y couper. Tous ceux qui avaient un processeur 8080 ou dérivé Z80 ou autre, ben, il fallait qu'ils aient CPM. C'était comme ça, c'était la norme, quoi. Et donc, on a beaucoup entendu, à partir des années 90, la fameuse histoire du contrat raté avec IBM, parce qu'à la base, Gary Kildall, il était à la tête de Digital Research, une très grosse boîte américaine de l'époque, et IBM, voyant le succès de la micro-informatique, a voulu créer donc le standard IBM PC, et il leur fallait un système, et ils étaient tout bêtement tournés vers Digital Research, qui était le leader du software à l'époque. Donc on a entendu à l'époque la légende comme quoi il était en avion à ce moment-là, parce que bon, il préférait faire de l'avion, il était passionné d'aviation, et donc du coup, soi-disant à cause de ça, IBM l'aurait mal pris et aurait signé avec Microsoft. En fait, cette histoire est fausse, hein. Maintenant qu'il y a des documents qui ont été libérés par IBM, il y a plein de langues qui se sont déliées, c'est faux. En réalité, c'était la femme de Gary Kildall qui recevait IBM à l'époque, qui était aussi leur avocate. Et donc, le contrat était déjà en cours de négociation avec la personne en question. Et Gary Kildall est rentré à temps pour la négociation. Sauf que dans la négociation, il y avait d'une part une clause de non-divulgation qui était hyper stricte pour la partie Digital Research. Alors qu'au contraire, pour IBM, ça l'était beaucoup moins. Donc c'était assez bizarre, ça ne plaisait pas du tout à Gary Kildall. Et plein d'autres détails à l'époque ne plaisaient pas du tout à Gary Kildall. En fait, Gary Kildall, il reprochait au contrat qu'on lui faisait signer de ne pas toucher de royalties sur les copies vendues. IBM voulait imposer une somme forfaitaire,
Gary Kildall, celui, ça lui plaisait pas du tout. Il voulait être payé licence par licence. Il était malin, il savait que le standard IBM PC promu par IBM, voilà, c'était ceux qui allaient remporter la foire. Xerox, TSM, on en parlera plus tard. C'est encore autre chose. Et donc, du coup, le CPM à l'époque était totalement pressenti par IBM pour devenir le nouveau système des PC. Ça avait marché en 8 bits, et vu son écriture en C, en grande partie, il était relativement simple de le porter sur le nouveau IBM PC. Malheureusement, toutes ces vicissitudes, ces problèmes ne plaisaient pas à Gary Kildall. En plus, IBM voulait changer le nom. Il fallait que le système ne s'appelle plus CPM, mais IBM PC-DOS. Ça ne plaisait pas du tout non plus à Gary Kildall. Donc du coup, il a vraiment fait la fine bouche. Puis bon, il était un acteur très costaud du marché. Et à la même époque, pour cette réunion, il y avait Bill Gates et donc Microsoft qui étaient convoqués, mais pas pour fournir un système d'exploitation, pas du tout. Bill Gates, il avait été invité et puis il pensait à l'époque simplement vendre son basique. Microsoft, à l'époque, il vendait le basique, il vendait des applications de bureautique, et puis c'est tout. Et du coup, voyant ça, Bill Gates, ben, il s'est dit, tiens, je connais une société qui a développé un clone de CPM qui s'appelle QDOS. Ben, je vais jouer l'esbrouffe, je vais proposer moi-même de vendre un système à IBM. Et donc, ça a été une grosse esbrouffe, parce qu'en fait, Bill Gates bradait complètement MS-DOS. Enfin, ce qui ne s'appelait pas encore MS-DOS. À la base, donc le logiciel s'appelait QDOS, donc c'est un jeu de mots avec l'injonction grecque, congratulation en grec, ça se dit QDOS. Et voilà, donc en prononcé à l'anglaise, ça donne QDOS. Voilà. Et donc Bill Gates rachète ça et le publie sous le nom de le propose sous le nom de MS-DOS et IBM voit ça, il dit, pas de problème, ça va devenir notre IBM PC-DOS, il n'y a aucun problème. Sauf que Gary Kildall, quand il voit ça, il dit non mais attendez, il y a un problème, il étudie QDOS et il se dit non mais c'est pas possible, QDOS c'est un plagiat. Et donc du coup ouais, Q comme culotté, ouais. Donc du coup le problème c'est que Gary Kildall il dit ça. Mais IBM dit, ah oui, on n'était pas au courant que Bill Gates avait fait ça et tout. Bon, écoutez, si vous voulez, on vous propose un truc, c'est que vous avez vous aussi le droit de vendre votre DOS avec nos PC IBM. On le propose à l'utilisateur. Il aura le choix. Entre IBM PC DOS et votre DOS à vous, qui s'appellera Digital Research CPM, pas de problème. Finalement, Gary Kildall accepte ce deal. Il avait un petit peu la pression, mais on va y revenir. Et le problème, c'est qu'en fait, IBM n'avait pas dit une chose, c'est qu'en fait, le DOS de Bill Gates racheté comme ça à bas prix et revendu, bradé à IBM. Il était vendu à l'époque 40$, alors qu'en face, la version de Gary Kildall, pourtant largement meilleure, et qui étant l'original, était vendue 240$. Donc, les utilisateurs, ils ont pas fait la fine bouche, hein. Ils ont pris le DOS IBM Microsoft, et ça a été l'échec cuisant pour Gary Kildall. Et donc, Gary Kildall l'a vraiment très mal pris, mais l'affaire était conclue. Bill Gates s'est vraiment comporté de manière ignoble, mais c'était pas la première fois. Ceux qui ont lu sa biographie le savent. Enfin, pas son autobiographie en tout cas. Et le problème, c'est que les ennuis pour Gary Kildall ne s'arrêtent pas là. À la même époque, vers 84, Gary Kildall avait sorti
une autre extension de son système, un truc qui s'appelle GEM. Et ceux qui ont eu un Atari ST le connaissent bien. Sauf qu'en fait, GEM a été attaqué en justice par Apple. Ça ressemblait trop à macOS. Le problème, c'est qu'à la base, macOS était déjà une repompée complète de travaux de Xero Alto, de Rank Xerox, donc de Palo Alto, le site de Rank Xerox. En fait, à l'époque, les informaticiens, c'était des gens très baba cool, New Age et tout ça. Donc, ils partageaient volontiers leurs idées, leur savoir, tout ça, il n'y avait aucun problème. Et donc, le problème, c'est qu'en face d'eux, ben, ils avaient des requins qui étaient prêts à prendre les idées et à se faire de l'argent dessus, sans rien verser, pas même un remerciement aux gens qui ont donné l'idée, quoi. Et donc, du coup, Apple a poursuivi du coup Gary Kildall à la base, juste pour l'icône de la poubelle dans GEM. Rien que pour ça. Donc du coup, Gary Kildall, il a eu une énorme pression pour modifier GEM, pour qu'il y ait suffisamment de différence pour le distinguer de Apple macOS. Et à cause de ça, il a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et il a vraiment pas pu imposer son GEM à l'époque sur PC. Donc du coup, Gary Kildall, à l'époque, il a vraiment eu mauvaise parce qu'il est passé à côté du coup du siècle, en se faisant dépasser par Bill Gates, qui à l'époque, c'était pas du tout le type sur lequel on aurait misé, hein. C'était quelqu'un qui avait abandonné ses études, voilà. Et bon, lui, c'était un ingénieur beaucoup plus posé. Et voilà, malheureusement, il s'est fait doubler par un jeune requin. Voilà. Donc du coup, entre ça plus l'échec de GEM, par rapport à Windows, Gary Kildall n'a pas été très heureux de ça. Bon, cela dit, il a quand même réussi à vendre sa société Digital Research ensuite à Novell. Et ensuite, Novell lui a payé ça une fortune. Donc bon, il a quand même fini sa vie riche. Et puis bon, malheureusement, en 94, il est décédé dans un bar, dans des circonstances un peu troubles. C'est pas encore bien élucidé. Bref. C'est dommage, parce qu'au final, voilà, c'était quelqu'un de vraiment génial, qui a porté beaucoup à la micro-informatique, et il est complètement éclipsé par Bill Gates et Steve Jobs, qui, faut bien le dire, n'étaient pas du tout des gens qui ont développé quoi que ce soit, quoi, c'est ou presque. Bill Gates, il a fait un interpréteur basique dans sa vie, et Steve Jobs, il a fait un tout petit peu de bidouille électronique pour faire du hacking de téléphone. Pas des iPhones, hein, non, non. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait une Blue Box qui permettait de téléphoner sur les lignes nationales, voire internationales, tout en payant une communication locale. Voilà, Bill Gates, Ventelier, exactement. Et si Xerox, effectivement, avait mis des brevets, tout le monde dirait, voilà, c'est Xerox qui a inventé la micro-informatique. Parce que si vous aviez vu à l'époque tout ce que Xerox faisait sur ses ordinateurs de pagination assistée, pour faire donc de la presse, des choses comme ça, des choses destinées au monde professionnel, vous aviez carrément macOS, mais 4 ou 5 ans avant, quoi. C'est comme ça. Donc Apple n'a rien inventé. Voilà. Bon, du coup, on va passer un petit peu après cet intermède historique, on va passer au CPM. Et du coup, on va se poser la question de pourquoi on se retrouve avec un interpréteur basique sur le CPC plutôt que d'avoir un CPM directement au boot. Alors vous allez me dire, CPM, nous on l'avait sur disquette, devoir mettre une disquette et démarrer dessus, c'était commun sur les PC à l'époque. Mais pour beaucoup de gens, c'était pas forcément évident de se dire bon, mais il faut mettre une disquette.
Avoir une ROM prête à l'emploi, c'est pas plus mal. Je suis d'accord. Cela dit, il existait des versions de CPM en ROM, hein, tout comme il a existé même des versions de DOS en ROM. Hein. Donc, quelque part, on aurait très bien pu avoir un CPC qui boot. Alors, je suis d'accord, TSM, effectivement, CPM sur des ordinateurs à base de cassettes, ça a l'air un peu moins intéressant. C'est possible, hein, mais bon. Je pense que. Mais il y a des instructions pour gérer les cassettes sur CPM hein, aussi. Hein. Donc c'était tout à fait envisageable. Donc on le lance par la fameuse commande UCPM ou barre CPM si vous avez un clavier QWERTY. Et donc ça met un certain temps, ça se lance. Là je vous montre CPM plus qui est donc en fait. CPM version 3.1 qui est adapté au 6128, donc il va exploiter les 128K de RAM. On a un prompt qui nous dit qu'on est sur le lecteur A, et puis c'est tout. On n'a rien de plus. Et là, on touche du doigt vraiment de base le problème qui ne plaisait pas à Alan Sugar. C'est que ça, pour Alan Sugar, c'est pas du tout user-friendly. Alors déjà de base, le fait de devoir mettre la disquette, taper une commande et tout ça, booter dessus. Salut Alex. Certains jeux, il faut passer par CPM, oui. Alors, on lançait la commande UCPM, sinon des jeux où on bootait d'abord CPM et après on le lançait, c'était assez rare hein, quand même. Mais on va voir. Que UCPM c'est un truc, c'est une commande, mais ça lançait pas forcément le système CPM. C'est autre chose. Donc, du coup, quand on voyait cet écran-là, bah Alan Sugar il disait non, ça me plaît pas. Parce qu'il disait CPM plus, ça parlera pas aux gens. On voit Amstrad Consumer Electronics, ok, c'est tout. Et on voit A slash. Enfin, supérieur, il disait ça, c'est pas, ça me plaît pas. Et du coup, je touche avec les flèches, je peux pas me déplacer. Il disait moi, ce que je veux, c'est que l'ordinateur me dise je suis prêt. Donc, il voulait simplement qu'il y ait un message disant ready, avec une présentation assez claire au début, disant ce que c'était. Donc, du coup. CPM avec son affichage de base qui indique que là par exemple sur cet émulateur il y a deux lecteurs connectés, tout ça, il dit, non, ça je m'en fiche. Donc il voulait vraiment quelque chose d'ergonomique. Et une fois qu'on arrive là, ben si on n'a pas le manuel, bon, c'est pas facile. Donc le DOS, vous connaissez peut-être, mais le CPM est en réalité, voilà, comme je vous l'ai dit, l'ancêtre du DOS. Equinox, tu es sûr de ça, TSM? Salut Durity. Tu es sûr que c'est pas simplement qu'il fallait taper la commande UCPM pour démarrer le programme? Parce que dans ce cas-là, en fait, c'est pas très compliqué. UCPM, c'est juste un truc qui est dans la ROM qui dit que va chercher sur la disquette courante le secteur à tel endroit et charge la routine et exécute là. Donc à partir de là, en fait, c'est pas forcément CPM qui est lancé, c'est juste une convention, quoi. Exactement, oui. Ben c'est ça, TSM. En fait, UCPM, c'est juste un raccourci pour démarrer le programme sur la disquette qui est placée à tel endroit. C'est juste un truc qui est dans la ROM qui est comme ça. Mais de base, Equinox ne devait pas utiliser CPM. Donc là, on est sur la toute première disquette qui était livré en standard sur les CPC 6128. Donc on a différentes commandes. Donc tous ces fichiers .com là, ce sont des commandes qu'on peut lancer. Donc il y en a certaines qui servent à définir le clavier. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui plaisait pas du tout à Alan Sugar. Il trouvait que c'était pas simple. Il disait aussi que pour pouvoir taper du texte, ben je veux que le truc réagisse directement au clavier et Or, sur CPM, ben, il faut lancer un éditeur. Donc, bon,
trouvais ça pas très pratique. Surtout quand on voit l'éditeur ED, c'est vraiment pas pratique, hein. Et le comble, c'est vraiment un truc qui m'avait dégoûté à l'époque, c'est et que en le relisant, mais je suis toujours effaré. Il n'y a pas la documentation de l'éditeur ED. Donc, ce genre d'outil CPM permettait de copier des disquettes, de copier des fichiers, de les éditer, et on n'a même pas la doc de l'éditeur. Mais c'est quoi ça, franchement? C'est n'importe quoi. Alors après, la doc permettait par exemple de dire, bon, ben, vous pouvez lancer Diskit 3, qui était une application qui permettait de copier des disquettes, piste à piste, comme ça, sans se préoccuper des fichiers. On le lançait comme ça. Donc du coup, là, si je fais 1, ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Alors, non, c'était 1 comme ça. 8. Y. Là, je vérifie la disquette. Voilà. Bon, là, on est sur un émulateur, ça rime un peu à rien, mais... Pas de doc pour éviter le piratage? Non. En fait, c'est pas vraiment ça. En fait, moi, je pense que CPM n'était que un argument marketing pour pouvoir dire ben voilà, le CPC gère le CPM. C'était juste un argument marketing. J'ai fait remove, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon. Ben, il doit y avoir un truc qui n'est pas bien géré sur l'émulateur. Donc, du coup, ben, si j'enlève les disquettes, forcément. Du coup, le problème, c'est que un argument marketing, c'est un argument, certes, mais il faut voir à qui ça s'adresse. Et donc, l'argument marketing du CPM sur un 6128, ben, ça allait s'adresser à des entreprises. Et ces entreprises-là, ben, le manuel utilisateur de CPM, il y a de bonnes chances qu'en fait, elles n'en aient absolument pas besoin, parce qu'elles connaissent déjà, elles ont un personnel informaticien qui connaît déjà CPM, qui a déjà été formé avant à ça. Donc, ou le cas échéant, ils sont prêts à se payer une documentation pour CPM largement meilleure que le manuel. Donc, du coup, ce CPM est vraiment le parent pauvre de la documentation de l'Amstrad. Et c'est vraiment dommage. Parce que du coup, ben, on passe à côté de pas mal de choses. Il faut savoir que par exemple, sur le CPM qui était fourni, il y avait un assembleur. Un assembleur, certes, pour le 8080, mais voilà, au moins, ça aurait été un premier pas pour découvrir l'assembleur sur le CPC. Malheureusement, c'était pas documenté. L'éditeur n'étant pas documenté, bon, ça donnait une horreur de taper dessus. On avait un programme qui était un petit peu documenté, c'était le programme PIP. Mais alors, lui, le programme PIP, il sert un peu à tout. Il peut servir éventuellement d'éditeur aussi, il peut servir pour faire des copies de fichiers, alors qu'à côté de ça, on a d'autres instructions sur d'autres disquettes qui permettent de copier les fichiers aussi. Et finalement, à côté de ça, on n'a quasiment pas de doc sur les fonctions de comment dire là par exemple 724 x 80 ça c'est des choses pour régler l'imprimante. Il y a très peu de doc là-dessus. Et encore la première disquette n'est pas la moins documentée. Mais si je passe par exemple sur la B hop, et que je prends la disquette 3, donc je fais B deux points, hop, dire. Là, par exemple, on a le logo, mais par exemple, GenGraph, c'est très mal documenté. On a vraiment du mal à comprendre à quoi ça sert. Par contre, un truc qui n'est pas dit dans la doc, c'est qu'il y a la commande help, comme ça, qui permet de donner le rôle de certaines commandes qui sont là. Donc, c'est pas mal.
Mais ça aurait été bien de le dire dans la doc qu'on avait au moins cet accès-là, quoi. Donc voilà, donc à quoi sert la commande Mac par exemple? Hop, on a un petit peu de doc. C'est un macro assembleur qui lit donc des points ASM et qui les assemble pour faire des points EX, des points PRN et des points SIM. Ok. Voilà. C'était le CPM, elle était livrée de base avec la... Oui, exactement. TSM, le... On dirait du JSON. En fait, CPM était livré de base sur des disquettes avec le CPC 6128. C'est comme ça, c'était fourni. Et donc, je pense que voilà, c'était vraiment ciblé sur les entreprises. Ça permettait de dire, bon, vous voyez, vous avez un ordinateur avec un clavier professionnel, un lecteur de disquettes, vous avez le CPM comme ça, et vous pouvez ensuite utiliser votre 6128 pour vos travaux d'entreprise, tout ça. Avec CPM, du coup, vous aviez la possibilité de lancer des outils de base de données comme des bases, des tableurs comme Multiplan, ils aviez AmsWord pour un traitement de texte. Il y avait Turbo Pascal par exemple, donc il y avait quand même pas mal de choses professionnelles. Il y avait aussi une visée sur, je pense, le monde éducatif, parce qu'il y avait des outils de programmation comme Turbo Pascal ou même le logo. Donc peut-être que simplement Alan Sugar avait envisagé les marchés de la programmation en classe. Bon, je pense que pour la Grande-Bretagne, le marché du programme de la BBC avait été déjà gagné par Acorn, mais je pense qu'il devait viser sur d'autres pays. Voilà. Du coup, on a vraiment avec CPM des fonctions très proches d'un DOS, hein, ce qui est logique. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait voir rapidement? On a la possibilité avec un fichier profile.sub de définir si on veut avoir un CPM configuré pour les programmes en anglais ou des programmes avec des caractères français. Voilà, c'est des choses qu'on peut régler comme ça. Par contre, sur CPM, il n'y a pas de répertoire. Mais sur les premiers DOS, il n'y en avait pas non plus, en fait. Ça n'est venu qu'après. Moi, je sais pas quelle est la première version de DOS que vous avez connue. La mienne, moi, je sais bien, c'était le 3.21. Il aurait mieux fallu Amstrad que Thomson pour les écoles. Je suis globalement d'accord, TSM. En fait, Thomson, ça a été vraiment une boîte qui a eu un marché comme ça ouvert et qui s'est vraiment pas foulé. Et encore, je pense que les premiers Thomson qui sont sortis, bon, ils étaient peut-être un peu chers, mais bon, par rapport à l'époque où ils sont sortis, ça se défendait. Moi, ce que je reproche à Thomson, surtout, c'est d'avoir déjà de base sorti à la même époque les Thomson TO7 et une version incompatible, à moindre coût, le MO5, mais qui globalement était, pour ainsi dire, la même chose, quoi, mais tout en s'étant quand même débrouillé pour les rendre incompatibles. Et au final, avoir maintenu le même processeur toutes ces années-là, enfin, c'était, et à ces prix-là, c'était invraisemblable, quoi. Donc, franchement, Thomson, je trouve qu'ils ont vraiment pas fait fort là-dessus, mais c'est un peu le problème des marchés protégés comme ça. Les champions tricolores, dès qu'ils quittent le marché protégé français, bah, ils se font rétamer, quoi. Comme ça. La doc, elle parle aussi, par exemple, des connexions avec des terminaux Zenith Data System. Donc, avec un CPC 6128, on pouvait, grâce à ce qu'a indiqué le manuel, on pouvait soi-disant faire un terminal vers un serveur Zenith Data System. Bon, c'est pour sauver la... Ouais. Oui, je suis d'accord, c'est ça. Mais bon, du coup, c'était un peu...
Dommage quoi, parce que c'était des fonctions, un terminal Zenith Data System, pour un utilisateur de base, ça n'avait pas de grand intérêt. Par contre, documenter l'éditeur aide, ça aurait eu déjà beaucoup plus d'intérêt. Documenter toutes les commandes disponibles, ça aurait eu beaucoup plus d'intérêt. Mais voilà. Ils ont été capables dans le manuel de l'Amstrad de détailler le formatage des disquettes, mais carrément indiquer les secteurs, les pistes, ce qu'on allait y mettre dessus. Mais par contre, voilà, on ne détaille pas ça. Et si on va sur B, hop, dire. Donc on découvre GSX et GenGraph. Donc ça, c'est des choses qui permettent de générer des graphiques, par exemple en camembert, en histogramme. Et malheureusement, c'est que très peu documenté. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus GSX, ben, c'est en fait c'est la bibliothèque graphique aussi qu'on trouve, qui est utilisée par GEM, l'outil de Digital Research. En fait, on est passé à un chouïa d'avoir l'équivalent d'une interface à la Macintosh sur le CPC via ce truc-là, quoi. En fait, sur les PCW, on pouvait la trouver, et voilà. MO5 à l'école primaire, je trouvais ça dépassé par... Je suis d'accord, Alex, j'ai eu exactement le même constat. Et au collège, pareil, hein, encore pire même. Et le truc aussi, c'est que le... un autre truc dont j'avais déjà parlé sur le logo tel qu'il est documenté ne marche pas en fait. Il y a des instructions qui sont données dans le manuel qui n'existent pas dans le logo fourni. Ça montre tout le souhait qu'ils ont porté à ces disquettes. Voilà. Moi, les disquettes d'époque, je les ai encore. Ça ne marche pas. Il y a des instructions, par exemple, comme un racine carrée, dans le logo fourni, ben, ça ne marche pas. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas calculer une racine carrée en logo sur un Amstrad CPC. Pourquoi? C'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, tiens, puisqu'on parle de logo. Oui, c'était lent, mais à la base, TSN, c'était pas un truc fait pour être rapide, hein, c'est comme ça. Hein, c'était un programme pour l'enseignement. Vous voyez, Digital Research avait pondu le logo pour le CPM. Voilà. Donc, si je fais FD. 50. Alors, c'est pas. C'est forward 50. Ouais, 60. Mince. C'était quoi? Right turn 90. Voilà. FW 100. Non. FD. Ah, c'était quoi déjà? Bon, j'ai oublié mon logo, quelle horreur. BK 100, BK Sin. Ah, pour faire un trait en arrière, c'est BK. Bon, soit. FWD, peut-être. Non, bon, c'est pas grave. FR. Plus. Bon, exit. Si c'est FD, pour déplacer en avant. Merci du rudy. Bah écoute. Ah bah oui. Bon. CLS, non. Clear. CLR. Même pas. Je me souviens plus. Je me souviens même plus comment on quitte en plus. C'est malin. Contrôle 9, ça marche toujours. Et donc voilà, vous imaginez maintenant. C'était CS. Bon, merci. Donc maintenant,
Si on avait eu à l'époque CPM qui bootait directement en ROM, si on avait eu ce prompt-là, est-ce que on aurait eu ces commandes de base? Parce que les commandes qu'on tape là sont soit des commandes qui sont déjà préchargées en mémoire, soit ce sont des programmes qui sont là. Et donc c'est assez problématique parce que du coup on est obligé de garder chargé dans le lecteur la commande dont on a besoin. Bon, si la commande est bien prévue, c'est un peu comme Diskit 3 tout à l'heure, elle va dire, bon ben voilà, maintenant chargez la disquette que vous voulez, sur laquelle vous voulez travailler, et ainsi de suite. Mais tous les programmes n'étaient pas prévus pour ça. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais on voit que par exemple, il y a ERAS pour effacer un fichier. On aura une commande date pour fixer la date du jour. Alors, on est le 15 décembre 1982. Tu vois, pourquoi cette date? Donc, si je dis date, alors on est le 02 slash 02 slash 02. À 08. Bon. On va essayer de voir s'ils gèrent l'heure sur 24 heures. Ah, c'est illégal. En cartouche, il aurait fallu l'avoir, peut-être. Ben, il se trouve qu'à la base, par exemple, un ordinateur comme le Commodore 128 était censé avoir un CPM en extension en fait. Non, sauf qu'en fait, à cause de problèmes de compatibilité, de charge, d'ampérage, tout ça, ils ont été obligés de mettre le Z80 à l'intérieur même de l'ordinateur. Enfin bref, du coup, le Commodore 128 a coûté une blinde à fabriquer. Personne à l'époque a compris pourquoi ils avaient mis un Z80 exprès, juste pour le CPM, alors que. Malheureusement, pour CPM, les jeux étaient faits à l'époque où le Commodore 128 est sorti, quoi. Mais bon, comme ça. Mais il faut savoir que, par exemple, Gary Kildall, je vous ai dit qu'il avait lâché l'affaire, c'est pas tout à fait vrai. Il s'est quand même battu pendant quand même pas mal de temps. Et Digital Research a sorti sa version de DOS qui s'appelait DR-DOS. Avant. Elle s'appelait CPM 86. Par exemple, les PC 1512 étaient certes vendus avec le DOS 3.21, mais ça intégrait en plus des choses supplémentaires venant de Digital Research qui s'appelait Salut Goldom, qui s'appelait DOS Plus, et ils intégraient aussi GEM, le fameux GEM, l'extension graphique de Digital Research à la place de Windows. Bon, en même temps, à l'époque, ça se comprenait parce que Windows n'avait pas encore un énorme succès. Du coup, je sais plus si on était à Windows 1.0 ou Windows 2.0. Enfin, Windows 1.0, c'est franchement oubliable. Windows 2.0, ça cassait vraiment pas trois pattes à un canard. Windows n'a commencé à être correct qu'à partir de la 3.0. Hein. Donc, au final, je pense qu'un des espoirs qu'avait Alan Sugar à l'époque, c'était que CPM allait résister quelque part encore un peu sur les PC sous la forme de DR-DOS, et que du coup, bah, les CPC, ils allaient avoir eux aussi un CPM compatible. Mais bon, ça c'était un vœu pieux, parce que de toute manière, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que même si CPM garantissait un certain niveau de compatibilité entre les différentes versions, entre les différents ordinateurs, cette compatibilité était vraiment très relative. Et ça, pour une simple raison, c'est que, en fait, CPM n'imposait pas réellement le format sur les disquettes. Donc chaque constructeur pouvait faire son format disquette à lui. Certains ordinateurs avec certaines versions de CPM et certains programmes étaient assez intelligents pour gérer des formats multiples.
Mais voilà, le problème, c'était que c'était pas forcément le cas pour tout le monde. Donc au final, la compatibilité entre différents ordinateurs sous CPM, ben, elle était envisageable, hein, elle était, mais il pouvait y avoir quand même de sacrés problèmes quand on passait une disquette d'un ordinateur à l'autre. Et c'était pas simplement. Il fut une époque où quasiment tous les ordinateurs avaient un lecteur 5 pouces un quart, quoi. Mais si le format sur disquette n'était pas le même, bon bah du coup la compatibilité elle n'était pas encore là, quoi. Mais bref, on pourrait très bien de nos jours avoir un OS de Digital Research, un héritage de CPM, quoi. Et malheureusement, bah, pour un contrat raflé comme ça par Bill Gates qui avait les dents longues et qui a osé un coup de jarnac pas possible, quoi. Bah, au final, on se retrouve avec Windows. Voilà. Bon, mais je crois que là, on a fait à peu près le tour, hein. J'aurais pu peut-être vous montrer quoi d'autre. Ah oui, il y avait quand même un programme CPM, hein. Je ne sais pas si vous l'avez beaucoup lancé. C'était sur la quatrième disquette. C'était le truc qui était censé faire la promotion de toutes les possibilités extraordinaires de l'Amstrad. C'était Ruintime.dem. Et ça, c'est vraiment un programme où il fallait d'abord lancer le CPM pour le faire tourner. Ah, dire, je me suis trompé de disquette. Ah oui, je me suis trompé de disquette. Je vais encore retromper de disquette, c'est pas grave. Hop. Oh, 4. N'importe quoi, réflexe du basique. Alors là, vous voyez, par exemple, il y a l'utilitaire file copy. Ben, c'est l'équivalent de la commande copy DOS, quoi, tout simplement. Et vous voyez que par exemple, ils ont aussi recopié la commande pip. Et là, en fait, les commandes là qu'on voit, en fait, c'est une autre version de DOS, CPM 2.2, qui servent pour les machines qui n'ont que 64 Go de RAM, comme le CPC 664 ou les 464 avec un lecteur disquette. D'ailleurs, oui, je pense que le CPM était aussi fourni à partir du moment où on achetait un lecteur DDI à l'époque. Donc voilà. Time.dem. Bah, ça se lance pas. Comment ça se fait ça? Tiens. Alors, mes souvenirs. Time.dem. Alors. Ah ben autant pour moi. Ruintime.dem ne se lance pas depuis. Ne se lance pas depuis le CPM. Autant pour moi. C'était livré sur les disquettes, mais c'était pas lancé via le CPM. C'est un petit peu comme par exemple si je reviens sur A. Hop, attendez. Là, par exemple, on retrouve un autre programme que l'on a connu, mais qu'on a accédé à l'époque sous le basique. Voilà, c'est parce que j'avais mis. Hop. Dire. Dur. Donc, là, par exemple, il y a un programme bankman.bass. Bah, c'est effectivement un programme en basique. C'est le bank manager qui permettait de gérer en basique les 128 Go de RAM au lieu de se contenter les 64 premiers. Voilà. Ça se lance depuis. C'est ça, Alex, tout à fait. Et donc, sous AmsDOS, si on veut revenir au basique, on peut faire un reboot, mais on peut aussi lancer
Amsdos. Voilà. Et donc là, si je fais UBA, je fais 4. Bah, du coup, là, je peux faire Pro in. Voilà. Et là, par contre, on sort du cadre du CPM. C'est un petit hors-sujet, mais c'était fourni dans les disquettes de base. Voilà. Ça me rappelle. Vous savez d'où ça vient, cette intro, en fait? C'est un plagiat du générique du Docteur Who. On aurait Thomas Naslin, là. Il serait. Plisken, il serait fou. Et ça, voilà, c'est. Ils ont juste remplacé le TARDIS, le phone booth bleu, par une cabine britannique rouge, quoi. Et sinon, ils ont mis la même musique, quoi. Voilà. Et donc, c'est des écrans de Rolling Time, quoi. Mais il me semble qu'il y avait une autre démo, d'ailleurs. Attendez. Elle était où cette démo? Ben bon, vous voyez, nous remplissons une disquette, deux disquettes, donc quatre faces avec des programmes CPM, mais allez, tiens, on va rajouter un petit truc en plus. C'était la démo avec un soleil qui fait crème strade. Oui. Justement, j'essaye de me la rappeler, mais c'était laquelle? Oh, je me souviens plus où elle est. Pourtant, ça aurait dû me marquer à l'époque. Ouais, non, elle était vraiment pas ouf. Hein. Bon. Ah, elle était où? C'était Run Demo, je crois. Udisk. Je sais pas où elle est. Alors. Je crois que c'est ça, Alex. Bon. C'est clair, ça mettait pas. Alors, CTM, c'est. Bah, c'était. Ça le mettait pas à l'honneur, mais bon. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui était fait à la va-vite pour des clients, on va dire, peu regardants, quoi. On est d'accord qu'effectivement, la Strat peut faire largement mieux que ça. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en basique. Voilà, quoi. Remarquez, c'est pas tant qu'on puisse le faire en basique, hein, parce que c'est pas tous les basiques de l'époque qui pouvaient faire ça, quoi. Oui, le soleil en basique, bien sûr, mais le dessin des lettres, le remplissage avec des fils et tout ça, c'est tout à fait faisable. Pareil, ce dessin-là, je m'étais amusé à le refaire en basique, quoi. Oui, honnêtement, tu aurais pris n'importe quel programme de démo livré en standard avec l'ordinateur. Il y a le chat qui me rejoint. Du coup, c'était franchement mieux même ça que ce qui était fourni de base. Donc bon, pourquoi pas. En tout cas. On a beau dire, c'est malgré tout beaucoup plus commercial que CPM, quoi. CPM, ça n'aurait fait rêver personne à l'époque. Que ça, bon, on est un petit enfant, le jeu minable pendu en démo, beaucoup mieux lapin. Ah bah, je suis d'accord, le lapin il est beaucoup mieux, quoi. Enfin, c'est des vieux souvenirs, tout ça. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, quand je voulais montrer
l'Amstrad à des gens d'un certain âge, bon bah je pouvais leur montrer ça, ils étaient contents. Si je leur avais montré CPM, voilà quoi, ça leur aurait pas parlé du tout quoi. Mais bon, par contre, je me souviens pas l'avoir vu tourner beaucoup en démo cette démo quand même. Hein. Je pense que les commerciaux, ils étaient pas fous quand même. Ils savaient bien que bon, c'était pas ça qui allait casser trois pattes à un canard de nouveau. Bon. Heureusement, sur l'émulateur, on a le mode turbo. Wouhou! Ah bon, c'était de vieux souvenirs, tout ça. Mais ça, avec GSX, clairement, on peut le faire. Vous avez des programmes dans des tutoriels de GW Basic sur PCW. Vous faites exactement ça. Hein. C'est tout bête à faire avec CPM et GSX. Hein. C'est juste que voilà, le GSX et CPM sur CPC, c'est très très mal documenté, quoi. C'est vraiment dommage. Voilà. Bon, bah du coup, sur ce, moi je pense qu'on va pouvoir en rester là. Je vais lancer un raid chez Noix de Croco. Il n'a pas annoncé de programme particulier. Bon, je pense que ça va être quiz comme d'habitude. Et du coup, bah sur ce, je vais quand même vous laisser avec cette merveilleuse démo et je lance le raid tout de suite. Oui, tout à fait, TSM, c'était une évolution, quoi. Comment on fait run automatiquement? C'est avec contrôle flèche arrière et contrôle entrée. Mais ça ne marche pas sur tous les émulateurs. Bon, sur cette merveilleuse musique, je lance le raid. Je vous dis bonne soirée. Hop.